Wow, shalom, que la lumière soit à tout le monde. Je pense que vous avez beaucoup constaté. En tout cas, aujourd'hui, on est sérieusement en retard. Sérieusement en retard, je m'excuse, c'est indépendamment aussi de ma volonté. Vu comme je vous dis que des fois, on est au culte, la répétition et tout ça, ça fait que des fois, ça nous amène vraiment en retard. Que Dieu bénisse tout ce qui arrive de Marius. Et tout ça de Mayer, Miller, ce qu'on dit en français, tout ça que Dieu, Yann, que la lumière soit avec vous. Vous partagez cette émission, vous donnez aussi la possibilité au grand nombre de venir être avec vous. Francine Kala, et que hier je suis pas vu, que la lumière soit avec toi, je me disais tu étais au travail, et partage cette émission. En tout cas, on est complètement en retard aujourd'hui, dû que nous étions à la répétition avec le chantre de l'église de Paris. France pour Christ de Rony, Paris, il y en a plusieurs églises de Rony, et parce qu'à Paris on a Corabussy et tout ça. Et voilà, donc je suis à vous, je suis avec vous, et l'homme Sanon va nous bénir. Mais bon, pour que nous mettons nos esprits vraiment à la bonne position pour manger Jésus, écoutez cet enseignement sur thème l'esprit de domination. Vous savez, je mets notre chanson Salozonga, ça nous permet aussi à ces moments. Et de nous communier, de préparer nos esprits pour bien manger. Que Dieu vous bénisse et suivez ces bons cantiques et cette belle chanson. Et de Sala Ozonga, l'album Le Retour de Papi Nkoumou. Et tout ça, bien aimé, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si nombreux dans cette chaîne YouTube de Bishop Papi Nkoumou. Vous écrivez Papi Nkoumou et cet évangile, vous allez tomber complètement, directement dans cette chaîne YouTube de Papi Nkoumou, vous allez trouver et vous serez le premier à être formé à chaque fois que vous serez là-bas. Que le Seigneur vous bénisse et la musique. Bien-aimés, pendant que vous suivez la musique, juste après cette chanson, on essaie de faire la suite, mais on va essayer de faire de notre mieux. Éviter d'avoir que ça énerve parce que nous sommes arrêtés, on va prendre même quelques minutes et cet enseignement. Et demain, on va bien parler. Que Dieu vous bénisse, concentrez-vous, suivez la chanson, appelez-nous pour manger Jésus et partagez cette émission. Sophia, que l'univers soit avec toi. Yuna, bonne soirée, que l'univers soit avec toi aussi. Bolingo na yo pena mawa na yo kutika.
Soit bien-aimé, vous savez, toujours après cette chanson, nous commençons notre enseignement. Bien-aimé, vraiment, je recommence encore à m'excuser pour ce grand retard que nous avions commis, bien que c'est indépendamment de ma volonté par rapport aux obligations que je devais et m'acquitter à cela, par rapport au culte, la répétition, tout ça, recevoir les gens comme tout bon pasteur qui doit s'occuper de ses brebis. Mais ce n'est pas aussi une excuse que je devais aussi être avec vous, vous aussi. Vous m'entendez? Alors, je dis à tout le monde, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, vous la connaissez tous. Et c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission du Saint-Évangile, Évangile de l'équilibre, vous le savez. Évangile et qui a la jambe de la spiritualité et de l'intelligence. Et l'Évangile de la précision, bien aimé, parce que tout se vérifie aussi dans les Écritures. Et l'Évangile aussi quoi? Bien aimé, de la troisième dispensation donnée par l'hôtelier, l'homme sanant, et celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors, nous parlons depuis un certain temps, bien aimé, nous sommes à notre 9e séance, on parle sur l'esprit de domination. Bien aimé, je nous ai dit quelque chose de très capital, vous allez constater, je récapitule, j'avance, parce que nous ne voulons pas retarder cet enseignement, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à parler dans ce sujet, et tellement, je vous dis, tellement. Alors, bien-aimés, depuis un certain temps, nous parlons un peu sur la domination dans les milieux ecclésiastiques, dans les milieux du sacerdoce. Et nous avions dit que
Il y en a tellement dans notre milieu, beaucoup qui sont venus pour pouvoir quoi permettre au diable d'établir quoi son règne dominateur. Et je vous ai lu hier, bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, précisément à partir du verset 11, vous allez voir que la Bible nous explique comme ça et comment la bête qui monte de la terre doit exercer son pouvoir sur les habitants de la terre. Et la Bible explique que la puissance et le pouvoir qu'a la bête qui monte de la mer, c'est un pouvoir qui a été donné par la première bête, la bête qui monte quoi? De la mer. Je vous ai dit qu'on en parlera sur la bête qui monte de la mer. Elle aussi, elle exerce quoi? Une autorité, un règne dominateur aussi dans ce monde que nous sommes. Mais c'est lui qui donne la force à la deuxième bête. Et cette deuxième bête, je vous ai expliqué, bien-aimé, et qui a deux cornes, mais semblable à qui? À un agneau. Vous voyez déjà, il y a un souci, il y a un problème dans cet enseignement. On a dit quoi? La bête, c'est le dragon en question, mais quand on le regarde, ces dragons, bien-aimés, on les voit avec l'image qui est semblable à qui? À l'image de qui? Précisément d'un agneau. Vous comme moi, je pense que nous sommes les amoureux de la parole, nous connaissons et nous savons que celui qui a le visage d'un agneau et celui qui est un agneau, c'est Jésus-Christ. Je salue tout le monde qui est arrivé. L'homme de Dieu, mon vieux, Jean Bosco, Kindomba, mon vieux, que Dieu vous bénisse. Pasteur Jean Bosco, aujourd'hui, vous êtes malheur avec nous. Je suis très content, mon vieux, d'être avec nous. Hier, vous étiez arrivé à l'état. Et que le Seigneur vous bénisse, tous qui êtes là. Je vous dis que les reines dominateurs. Et cette bête qui a l'image semblable, bien-aimé, vous comprenez que c'est que les milliers ecclésiastiques maintenant. Parce que quand on voit l'agneau, nous pensons directement à qui? À Christ. Mais or, Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 24, nous avait déjà annoncé les choses. En nous disant quoi? À partir du verset 4, il a dit quoi? Gardez-vous quoi? Et prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi il annonce que personne ne vous séduise? Car la séduction correspond plutôt aux choses bien-aimées qui plaisent à la personne. Et surtout pour nous, les milliers chrétiens, le diable connaît notre faiblesse, c'est Christ. Du moment où on te parle, vous voyez même au milieu de nous, quand quelqu'un jure au nom de Jésus, même si il ment, et on a la facilité de lui donner raison et de croire et d'accepter ce qu'il nous dit. Parce que nous avions une faiblesse. Notre faiblesse, c'est penche simplement quoi? Au nom de Jésus-Christ. Certains même ont touché à la Bible, bien-aimés, nous cédons à la chose que la personne lui dit. Alors maintenant, la Bible dit que cette bête aura des cornes, comme ça sera semblable à celle d'un agneau. C'est que l'apparence de cette bête pourrait ou pourra nous séduire aussi. Pourrait comme pourra nous séduire, bien-aimés, et aussi. C'est ainsi que Jésus lui avait déjà annoncé. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je vous ai dit quoi? Le terrain le plus approprié, le terrain le plus important est que le diable exerce le mystère dominateur, bien-aimé, et tout ça, vous devez savoir que c'est le mental. C'est au niveau du mental et qu'on fait installer, bien-aimé, le pouvoir dominateur. Et comme ça, on arrive à gestionner, à contrôler, à diriger une personne, à manipuler la personne. C'est que le travail du cerveau, ou l'aval du cerveau, comme certains peuvent le dire. Bien-aimé, je vous ai expliqué. Dans les milieux ecclésiastiques, la méthode la plus utilisée pour pouvoir faire asseoir le règne dominateur, c'est le style d'enseignement. C'est ainsi qu'il y a plusieurs enseignements qui se sont introduits dans nos églises. Or, Jacques nous avait avertis en nous disant qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens quoi, qui enseignent. Pourquoi Dieu avait dit? Parce que Dieu sait que c'est un domaine risqué et dangereux où beaucoup de gens peuvent introduire quoi, des doctrines. Bien-aimés, la Bible dit que plusieurs prophètes viendront et chercheront quoi? À vous séduire. Toujours Matthieu chapitre 24. Et nous avions vu que non, la bête de l'Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, lui, elle aussi va exercer un système dominateur par la séduction. Parce que la séduction n'est pas divine, mais la séduction est diabolique. Vous allez constater que la plupart des cas, c'est là qui exerce le mystère du diable et qui sont au service du diable pour que le diable instaure sa domination sur la terre, aux habitants de la terre, ce sont des personnes qui exploitent plus les méthodes quoi, de la séduction. Ils utilisent beaucoup plus la séduction. Je dis, les enseignements,
et pour ces nous avions vu les enseignements, et comme bien-aimé, vous le connaissez, des démons du matin au soir, au point que ces gens, avec leurs ruses, pour nous avoir, pour nous maintenir en esclavagisme, en prison mentale, nous signalent tout le temps pour mieux attaquer ton adversaire. Il faut mieux les connaître. Mieux les connaître, ils vous font focaliser aux enseignements qui parlent que les démons. De plus en plus, bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. D'abord, parlons de ça, parce qu'il y a une virgule. Ce qu'on entend, ça peut être d'autres choses aussi. Ce n'est pas que la parole de Dieu. Je veux bien que le lecteur de la Bible, comme la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 24, non, Matthieu 24, verset 15, et quand vous verrez l'abomination de la désolation et dont a dit le prophète Daniel, s'établit dans le lieu saint, il dit que le lecteur fasse quoi? Attention. Le lecteur, bien-aimé, moi et toi qui lisons la Bible, qui méditons la Bible, quand nous voyons certaines choses, la Bible dit, vous devez faire quoi? Attention, vous le lecteur. Pourquoi le lecteur? Waouh, j'aime la parole. Vous comprenez, bien-aimé, que cette bête, la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset, on dit que cette impie-là, la deuxième bête, la Bible, la puissance de l'impie, se manifestera par la puissance de qui? De Satan. Par de diverses sortes quoi de miracles. Et ils séduiront un grand nombre de gens parce que certains qui seront séduits, ce sont des personnes qui ont refusé quoi? L'amour quoi? De la vérité. Maintenant j'avance. Nous retournons au verset des chapitres qui étaient introduits hier pour qu'on avance avec la suite et rajouter encore quoi? D'autres quoi? Chapitres quoi? Importants. Très importants. Alors, mais c'est notre chapitre très important, bien-aimé, et que vous devez bien le savoir, bien-aimé, le savoir. Nous avions parlé sur Romains chapitre 1. Nous étions à Romains chapitre 1, bien-aimé, et vous comme moi, on était à Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Je pense que, vous savez, ici, je vous avais dit, hein, il y a la lecture, il y a les explications. Bien-aimé, tous ces brigands, tous ces bandits se sont infiltrés parmi nous. Ils ont l'apparence, bien-aimé, vous ne pouvez jamais imaginer. Nous allons lire d'abord ici. Avant de lire Romains, retournons d'abord à Matthieu. Hein? On va le lire, bien aimé, ne sois pas si pressé, parce que nous sommes là pour éclaircir des choses. C'est très, 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 très important. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez-moi, parce que quand je parle de Jésus, je me sens heureux. Je me sens tellement heureux, parce qu'il n'y a pas quelque chose de si formidable que de témoigner le nom de Jésus-Christ. Écoutez ceci. Matthieu chapitre 24 aussi, le verset 24, vous entendez quelque chose de très formidable. Écoutez, la Bible dit, car il s'élèvera de faux Christ. La Bible dit quoi? Il s'élèvera de faux Christ. La Bible dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. On a bien dit de faux Christ et de faux qui? Prophètes. Ils opéreront des grands signes. Vous voyez dans chaque verset qu'on va lire, ces gens, leur mode opératoire, nous trouvons que ce sont des miracles. Ce sont des miracles, ce sont des signes, ce sont des choses et ils se focalisent plus pour simplement quoi? Rendre émerveillé les personnes et qui tombent dans leur séduction. Et pour pousser les gens, les faire tomber dans cet appât, bien aimé, dans ces pièges et pour les avoir quoi? Et les maintenir dans une prison quoi? Mentale. Les commencer à les guider, à les diriger. Ils disent qu'ils s'élèveront de faux Christ. Et ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si c'est possible, même qui les élus. Vous entendez ceci? Si c'est possible, même quoi les élus. C'est ainsi que le verset 15, vers la fin, nous dit quoi? Que le lecteur fasse quoi? Attention. Mais tout ce qui est arrivé, pasteur Bonnie et tout ça, tous ces gens qui arrivaient, que Dieu vous bénisse, que la lumière soit avec vous. Mais je vous demande, si vous voulez partager, donnez-nous cette offrande-là. L'offrande, c'est partager cette émission à un grand nombre de gens bien-aimés, avec toute simplicité et humilité que je vous demande, pour que le monde entier écoute des choses comme ça, bien-aimés, parce que nous devons aider le peuple de Dieu à sortir. Pourquoi? Ces gens, ils jouent un rôle de manipulation très, 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 très avancé. Très avancé, parce que ils ont aussi la connaissance quoi, des Écritures. Pourquoi? Parce que je vous répète toujours ce chapitre de Jean chapitre 2, le verset 18 à 19, et surtout le verset 19, ces gens sont sortis parmi nous. C'était parmi nous, mais ils n'ont pas demeuré avec nous. Or, quand je vous ai spécifié que demeurer, ça veut dire quoi? C'est rester.
Ces gens n'ont pas voulu rester. En quoi? Aux enseignements du Christ. Dans la parole de Dieu. Mais ils se sont fait des voies pour simplement quoi? Non pas attirer les gens pour les faire des disciples de Dieu, mais pour remplir quoi? Leur bâtiment et faire quoi? Leur royaume et pour qu'ils aient un règne et pour qu'ils se fassent quoi? Honorer. Parce qu'ils veulent la gloire. Et vous allez constater dans ces gens bien-aimés, quand ils prêchent, il dit le nom de Jésus comme si c'était un ingrédient à rajouter dans leur quoi, nourriture. Il parle plus de « J'étais au Maroc, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai perçu des miracles, et j'étais aux États-Unis, j'ai prié dans une foule de 400 000 personnes, et il y a eu des paralytiques qui ont marché. » Bien aimé, tout ça pour montrer aux gens « Venez à moi. » Mais or, la Bible nous montre que la seule personne qui a le pouvoir de dire « Venez à moi. » Fatigué, ce n'est que Christ. Mais ce qui est dangereux, ces gens avec les enseignements de manipulation et qui sont rentrés pour maintenir les gens en esclavagisme et isolés. Parce que leur plus grande méthode, bien aimé, c'est à prendre quelqu'un à l'otage et le faire isoler, éloigner les gens autour de lui pour qu'il puisse avoir ce qu'il a besoin. C'est une forme de ruse. Vous savez, la ruse, c'est une manipulation, c'est une forme de choses pour simplement atteindre l'objectif ou avoir obtenu ce que tu as besoin. Alors, ces gens, ce sont des ruseurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Ce sont des antéchrists. Vous avez entendu dire que, petits enfants, le verset 18, il est 1 Jean 2, et que l'air, petits enfants, vous avez l'air vient, vous avez entendu qu'il y a un antéchrist qui est arrivé, mais il y a déjà plusieurs antéchrists. C'est plusieurs antéchrists dans notre version, on se dit antichrist. Ce sont des précurseurs, comme je vous ai dit, qui sont parmi nous. Dans les mondes comme dans les églises. Parce que dans l'occultisme, bien aimé, vous devez vous en rendre compte et savoir que non, dans l'occultisme aujourd'hui, il y a des branches qui sont spécialisées uniquement pour des églises que nous sommes aujourd'hui, avec des enseignements bien aimés. Si tu n'as pas la raison, si tu n'as pas l'œil qui voit, si tu n'as pas la révélation, crois-moi, bien aimé, tu vas donner confiance à ces gens-là. Parce que ces gens ont l'apparence quoi? Séductrice et l'apparence qui semble être l'apparence quoi? De la piété. De la piété et qui embrouille et qui empêche quoi? Les gens à comprendre et que ce sont des infiltrés qui sont parmi nous. Aïe, 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 aïe. Que la lumière soit, que la lumière soit. Bien aimé, écoute. Alors, vous attendez dans certains bien-aimés, pour donner aux gens le goût de venir, ils se sont installés dans les enseignements de parler du matin au soir, de janvier en décembre, qui les demandent. Et ces gens, pourquoi? Ils retiennent la vraie vérité. Ils vous disent que nous connaissons notre adversaire pour mieux l'attaquer. Je vous ai expliqué, je voulais répéter cela tout le temps. Bien-aimés, comment je dois beaucoup étudier mon adversaire pour le terrasser? Mais celui qui me donne la force de terrasser les diables, je ne l'étudie pas beaucoup et je ne le connais pas beaucoup. Parce que les gens refusent de demeurer, beaucoup crient en Christ. Or, la Bible nous montre, bien aimé, dans les livres de Jean 15, 7. La Bible dit, si vous demeurez, je vous ai dit, c'est le conditionnel. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez quoi que ce soit, je vous le donnerai. C'est que le miracle, si on demande quoi que ce soit, Dieu va opérer. Mais une seule condition, si nous demeurons à lui, et si que ses paroles aussi demeurent en nous. Alors, or, 1 Jean 2, 19, la Bible dit que ces gens étaient sortis parmi nous. Ils n'ont pas voulu demeurer et ils ont quitté. C'est que ces gens, ce sont nos frères, autrefois. Ils étaient nos frères, étaient enseignés. Nous sommes tous de même lignée de certaines églises. Mais et, ils ont changé la logique de l'évangile. Au point, ils disent que non, bien aimé, ces gens sont des manipulateurs. Pour se cacher bien, vous le verrez dans les réseaux sociaux. D'autres ont fait uniquement des sites qui parlent que des démons. Que des combats spirituels du matin, soit des montels, et d'autres vont faire des sites, bien aimé, des gens qui passent, qui viennent simplement témoigner. J'étais en Saint-Majestien, chapitre 1. Quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, qu'il est devenu pasteur, mais à chaque fois, il marque toujours ex-Majestien. Pourquoi? Pour séduire. Et d'autres font partie plus loin. Nous, vaut mieux nous écouter parce que nous, on a été dans ce monde-là. On a beaucoup plus l'expérience pour vous expliquer si le monde est démon. Bien-aimé, est-ce que Christ est pour m'apprendre à enseigner la démonologie? Je suis obligé d'écouter un ex-magicien. Je suis obligé de consulter un sorcier pour que je parle. Mais n'est-ce pas ce Dieu que je prêche qui a créé l'invisible? Aïe, bien-aimé, on va lire parce que s'il y a la lecture, sinon on va dire que non.
Ah mon Dieu, pourquoi ça, Colossiens? Et quand on voit les peuples de Dieu périr, bien aimé, on se dit, bien aimé, je comprends. Ceux qui sont dans vos églises comme leaders, ce sont des méchants. Ils ne veulent pas demeurer de la parole de peur que vous trouvez la raison et la révélation du pourquoi de chaque chose. Sinon, vous allez les démasquer. Ah, bien aimé. Cherchons rapidement Colossiens, chapitre 1. Bien aimé. Colossiens, chapitre 1, le verset 16. Colossiens, chapitre 1, le verset 16. S'il y a la lecture et les explications, je vous ai dit. Je n'ai pas oublié Romain, hein? On va retourner. Ne vous en faites pas. La Bible dit, est correcte. Colossiens, chapitre 1, verset 16. La Bible dit, bien-aimé, jusqu'au verset même 17. Notez-moi ça pour servir aux gens. Colossiens, chapitre 1, le verset 16 au verset 17. La Bible dit ceci. Quand en lui, tout a été créé dans les cieux. Vous entendez, en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est quoi? Invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Mais si je veux, la Bible dit quoi? Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Si moi je veux connaître l'invisible, bien-aimé, je vais aller à la source d'invisible et auprès de celui qui est la source. Je n'ai pas besoin. Et ces gens se sont faufilés au milieu de nous. Pourquoi? C'est une manière, bien-aimé, et que la Bible nous montre, ces gens doivent entrer parmi nous comme des espions pour pouvoir repérer nos points faibles. Et commencer maintenant quoi? À nous anéantir et à faire en sorte que nous, bien-aimés, ah, c'est pitié aux chrétiens, et bien-aimés, que nous ne comprenions pas et pour qu'ils nous déstabilisent. Quelqu'un peut me chercher, bien-aimés, on peut partir à Néhémie. Ah, la Bible. Bien-aimés, j'aime quand, pendant que je prêche, l'homme sans nom me souffle les choses. Néhémie, 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 bien-aimés. Cherchez Néhémie, cherchez Néhémie. Cherchez Néhémie. Pour pouvoir un peu faire comprendre les choses. Où est-ce qu'il est Néhémie à moi? J'ai tout pris Néhémie là. Qui m'empêche d'avoir Néhémie? On va trouver Néhémie. Je cherche Néhémie. Néhémie me dit non, laisse-moi tranquille. Et moi, je ne veux pas vous mêler à vos histoires, mais Néhémie, tu es obligé parce que nous devons reconstruire la miraille. Bien aimé, on dit la miraille de Jérusalem. La bonne miraille, c'est la miraille de l'Église. Et que nous devons tous, ensemble, nous engager à chercher quoi? À retrouver cela. Bien aimé, Néhémie, c'est après les chroniques. Voilà, parce que ma Bible est devenue comme un lambeau, je suis déjà Néhémie. Je vais vous montrer quelque chose très très capital. Bien aimé, Néhémie, écoute bien quelque chose de très très important. Bien aimé, surtout n'oubliez pas ça. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Mais avant de lire 4, bien aimé, je veux nous amener d'abord à quelque chose. 4 combien? Ensemble, cependant. Il y a un verset que j'aime bien à Néhémie. Et que je vais nous le trouver. Et Néhémie combien? 4 et 6. Hein? 10, j'ai déjà donné ça une fois ici à l'église. Était tellement très très important. Et là, non. Commençons d'abord au verset, bien aimé. Au verset 33. Néhémie 3, verset 33. Néhémie 3, verset 33. Écoutez ça. Néhémie 3, verset 33, nous on lit quelque chose de très très important. La Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la miraille, il fit très en colère. Vous attendez, il fit quoi? Il fit très en colère et très mécontent. Il se moquant des Juifs, il dit, devant des frères et devant qui? Des soldats de Samarie. Que font ces Juifs? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? Sous de monceaux, quoi? Des poussières et
incendié, écoutez, Tobija, Ammonite et tous ses consorts. Nous descendons verset 36. Il dit, écoute, ô notre Dieu, car nous sommes quoi? Méprisés. Là, nous ne sommes pas encore là. Mais on arrive maintenant au verset 4. Bien-aimé, à partir du verset, la Bible, les peuples pris à cœur à travailler, mais Sambala, Tobija, les Ammonites et les Adoniens furent très en colère. En apprenant quoi? Que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches quoi? Commençaient quoi? À s'effermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer qui? Jérusalem, lui, causer au quoi? Au dommage. Nous avons prié et Dieu nous a donné quoi? L'avantage. Maintenant, nous retournons. Nous avons dit cela, quelque chose de très important. Mais j'ai quelque chose de très important où je cherche, où ces gens ont dit que non, nous viendrons la nuit. Nous viendrons la nuit et nous allons entrer au milieu d'eux, nous allons venir au milieu d'eux et nous allons commencer à les détruire l'un à l'un et ils ne sauront pas. C'est ça le verset la plus importante que dans le Saint-Évangile, on veut vous donner. Bien-aimé, c'est ce que je veux donner ici, c'est ce que je cherche. C'est quelque chose de très, très capital. J'ai déjà enseigné ça dans notre église, bien-aimé, pour faire comprendre aux gens comment ces gens exercent, c'est quoi, le mystère. Nous arriverons à ça, ça viendra dans ma tête parce que dans les saintes évangiles, les choses coulent. Alors, avançons un peu. Et la Bible dit, prenons d'abord Jude avant de venir ici, même Jude va nous expliquer quelque chose, Jude chapitre 1, verset 4, Jude, il y a qu'un seul chapitre, bien-aimé. Vous allez voir qu'au milieu de nous, ces gens existent déjà. Nous sommes dans le livre de Jude. Allons-y. Jude, chapitre 1, le verset 4. Jude, c'est à côté d'Apocalypse, bien-aimé. Il n'y a qu'un seul chapitre après les épîtres de Jean, je crois. Voilà. Le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, car il s'est glissé. Vous entendez, il s'est glissé parmi vous. Vous là, c'est nous. Dieu nous informe que parmi nous, il s'est déjà glissé des certains hommes. La Bible dit certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impie. Nous parlons de l'impie dans des textes, chapitre 2, à partir du verset 9. Impie, même dans le livre de qui? De Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11. Nous avons vu l'impie. La Bible dit impie qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu. Et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Il est réuni parce qu'ils ne veulent pas demeurer dans les enseignements de qui? De notre qui? Seigneur, notre Dieu. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Waouh, waouh, waouh. Que la lumière soit, que le Seigneur fasse du bien à tous ceux qui croient, hein? À tous ceux qui mangent Jésus ensemble avec nous. La bonne nourriture, que la lumière vous fasse beaucoup du bien. Bien-aimé, quelque chose de très, très important. Alors, nous devons comprendre quelque chose, bien-aimé, ces infiltrés et qui sont venus uniquement pour bouffer les âmes et empêcher les âmes, bien-aimé, avoir accès. C'est ce qu'on a lu avec vous, Matthieu chapitre 23, le verset 13. La Bible dit, malheur à vous, pharisiens, scribes, hypocrites, vous fermez les royaumes des cieux. Vous fermez quoi? Les royaumes quoi? Des cieux. Or, vous savez qu'à quelqu'un s'infiltre. Au milieu des gens, c'est que cette personne, pour mieux faire l'infiltration, doit s'identifier à vous, doit essayer d'être comme vous. Mais tout en ignorant ce qui fait la force. C'est-à-dire qu'ayant l'apparence de la piété, mais il renie ce qui en fait quoi? La force. Dans ce sens des choses-là, bien aimé, la plupart des cas de victimes, ce sont des femmes qui sont remplies de passions variées. Les passions vont rester ainsi que beaucoup de non-fidèles qui viennent aux églises, moi je veux les mariages. Moi, quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il veut être marié, quelqu'un qui vient à l'église qui veut ceci, qui veut cela, bien-aimé. À cause des très grandes passions, bien-aimé, il oublie d'abord le souhait le plus grand, bien-aimé, chercher premièrement le royaume de Dieu. Et ces gens connaissant vos passions variées là, ces gens maintenant arrivent maintenant quoi? À vous séduire par rapport à vos passions. Pour simplement, bien aimé, quoi? Vous maintenir quoi? En esclavagisme, vous avoir comme qui? Des esclaves. Nous allons lire cela et nous allons retourner à quelque chose aussi de très important
parce que nous sommes en train d'avancer. Aïe, 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 aïe. Bien aimé. Ah, mais avant d'avancer, nous retournons à Néhémie, ce que je vous disais. Néhémie chapitre 4, verset 6. Verset 6. Mais nous commençons au verset 5 jusqu'au verset 6. Écoutez comment ces gens qui se sont infiltrés parmi nous, avec l'objectif de faire installer la domination. C'est ce que bien aimé, des familles se divisent. Les gens ne veulent plus, une femme ne veut plus écouter son mari, même s'il lui dit des choses, non pas des choses qui ne sont pas contre Dieu, mais ils se sont focalisés simplement sur ce que ces leaders-là, ces manipulateurs, le donnent. Bien aimé, ils exploitent les finances de ces gens. Ils les suissent, ils les vident. Bien aimé, écoute, parce qu'ils se moquent de nous. Judas dit quoi? Ils se sont glissés. Simplement, ils se sont glissés, ils se sont infiltrés parmi nous, comme a écrit le frère Colneux, que ce sont des infiltrés et qui sont là, faisant comme s'ils sont nôtres, mais ils ne sont pas nôtres. Comme a dit 1 Jean chapitre 2, verset 19, ils étaient parmi nous, s'ils étaient nôtres, ils allaient demeurer avec nous. Parce que demeurer, c'est rester aux enseignements. Est-ce que l'église, le pasteur, le chêne, la personne que tu vois, est-ce qu'il demeure en Christ ou il te dit simplement que connaissons beaucoup de démons pour bien être? Pour attaquer bien les démons, bien aimé, il faut avoir plus la connaissance de Dieu. Parce que Jésus lui-même a terrassé le diable par la connaissance. Lisons Néhémie chapitre 4, verset 5 à 6. La Bible dit que non, nos adversaires, ils sont nos adversaires ces gens. Parce que nous travaillons pour amener les gens à devenir des disciples. Et ils travaillent pour que ces gens deviennent les adeptes de Dieu et pour empêcher les gens d'avoir le royaume de Dieu. Et nous enseignons pour que les gens voient le royaume de Dieu et ils empêchent. Ce sont nos adversaires. Pourquoi quand la Bible dit quoi? Nos adversaires quoi? Il dit que nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Ils ne sauront et ne verront quoi? Rien. C'est le verset qu'on cherchait tout à l'heure, je vous avais dit, ça reviendra. Pas de ça, de m'a dit, ça coule. Parce qu'il y a tellement de versets, que Dieu vous bénisse. Si nous mangeons Jésus, il y a la lecture des explications. Bien aimé, waouh, je bénis Dieu. Et Néhémie 4, 5 à 6. La Bible dit que et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien. Et ne verront quoi? Rien. Jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Vous entendez cela? Jusqu'à ce que nous arrivions quoi? Au milieu d'eux. Nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ça dépend de la version de ta Bible et de ce que les autres, ça ne se retrouve pas à 5-6. C'est ce que je lis. Alors il faut bien les trouver. Vous allez les trouver. La Bible dit, or, les Juifs qui habitaient près de vers 10 fois nous avertirent. Ces Juifs qui ont averti, et moi j'ai fait partie d'aujourd'hui de vous avertir. Avec l'homme sans nom bien-aimé, l'Église est en train de traverser les temps critiques de l'époque prophétique. Où, bien-aimé, Matthieu 24, 15 nous dit que la désolation, l'abomination, la désolation dont a dit le prophète Daniel s'est installée dans les lieux saints. Où les occultistes, où les escrocs, les anciens magiciens qui se sont dit qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais pourtant c'est faux, et qui ces gens prennent plaisir de parler plus de leur magie, ils sont plus à l'aise. Quand ils parlent des espoirs qu'ils ont fait de la sorcellerie, de la magie, mais aucune connaissance de la parole de Dieu. Pourtant, Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez en Christ, restez dans sa présence, la parole en nous, c'est la vie, bien-aimé. Et ces gens comme Jude dit qu'ils se sont glissés, infiltrés parmi nous, et ces gens ennemis confirment qu'ils disent que personne ne saura. Personne ne saura et qu'ils vont entrer au milieu de nous en nous faisant séduire par les chrétiens aujourd'hui, bien aimés, aiment plus qu'on ne parle des démons que de parler beaucoup de Christ. Et quand il y a des témoignages de ces magiciens, les églises se remplissent et les gens restent du matin au soir devant des Facebook, devant des YouTube, bien aimés, pour écouter les espoirs d'un ancien sorcier. Mais quand on parle de Jésus comme ça, qui sait encore? À lui aussi parle beaucoup, ce sont des faux pasteurs. Mais les faux magiciens, et qui vous ont dit qu'ils sont convertis, bien aimé, ils sont intelligents. Ils savent comment entrer. Le diable les a envoyés de rentrer et de s'installer. Voilà, Matthieu dit quoi? Ils se sont installés. Ils sont dans les églises. Mais et ces gens maintenant, nous avions lu avec nous Matthieu 24, 24, dit quoi?
il y a déjà des faux Christ. Au point que ces gens pour séduire, des fois, ils disent quoi? Ils disent non, quand vous voyez un pasteur dit c'est moi Jésus, il ne dit pas Jésus-Christ, c'est un occultiste, mais c'est un menteur. Dis avec moi menteur. C'est un menteur. Dis avec moi menteur. C'est un menteur. Les gens qui n'ont pas la connaissance et qui n'ont pas la science de Dieu avec eux, voilà pourquoi, bien-aimés, ils retiennent de telles personnes quoi, en captivité. Pourtant, bien-aimés, la Bible a annoncé même, ces gens peuvent se nous prononcer comme des faux Christ. Si ces gens peuvent se dire que ce sont des Christ, alors si je dis Jésus-Christ, qu'est-ce qui te garantit que je dis le véritable? Le véritable se connaît, bien-aimés, par la puissance du cœur. Et comment la transformation, comment le Saint-Esprit va te changer. Bien-aimés, arrêtez de croire à ce menteur. Ce n'est pas parce que cette personne dénonce le nom des gens, il cite les gens, telle personne est mauvaise, il faut donner confiance. Ils sont malins. Ils travaillent cela. Il faut citer le nom des gens et vous saurez comment séduire les gens de vous croire et de vous donner confiance. Bien-aimés, je ne vous prêche pas pour me donner confiance, mais je vous prêche pour que vous ayez confiance en Jésus et pour que vous sachiez comment ouvrir les yeux et méditer la parole, de rester à Acte 17, verset 10 à 11. Bien-aimés, je vous soutiens, le Saint-Évangile, c'est la lumière et qui est venu éclairer, chasser les ténèbres des ignorances des gens. Amener les gens à comprendre, bien-aimés, je suis un pasteur. J'ai besoin de fidèles, mais non, je ne dois pas avoir besoin de fidèles par la séduction. Beaucoup de gens me demandent, parce que tu fais des délivrances, les démons crient, les gens tombent. Pourquoi tu empêches qu'on mette ça à la télé pour que les gens voient? J'ai dit, je ne veux pas gagner les âmes par ça, mais je veux que ceux qui sont prédestinés de Dieu entendent la voix. Et les brebis de Dieu qui connaissent qu'ils sont de Dieu, bien-aimés, vont reconnaître la voix. Ah, quelqu'un me dit, si, bien-aimé, on va lire. Ici, à la lecture. Allons lire le livre de Jean. Après, on va revenir. Jean 10. On va revenir à Romains. Quelqu'un, je pense que vous attendez, mais comment Romains ne vient pas, ce qu'il avait dit. Non, on va revenir, bien-aimés. Nous avons encore quelques minutes, là. On va revenir. Allons-y d'abord à Jean 10. Je vous fais voir quelque chose. Entre nous, hein, c'est quelque chose de bien. Ça me réjouit. Bien-aimés, Jean 10. À partir du verset 2. Nous allons, après on va sauter, on va lire à partir du verset 13. Non, on va pas commencer à 13, on va commencer à 12. Ok, entre nous, sinon on commence à 11 après. Mais lisons d'abord 2 au verset combien? 3. 2, 3. La Bible dit, mais celui qui entre dans la porte est le berger des brebis. Cela veut dire que toutes les personnes là, il faut les vérifier bien qu'ils ne rentrent pas dans la porte. Le potier lui ouvre et ses brebis entendent de quoi sa voix. Si tu, les brebis, si tu es une brebis de Dieu, tu entendras la voix. La Bible dit, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Bien aimé, qui Jésus les appelle? Il appelle des brebis qui lui appartiennent. Ils ne viennent pas à cause des miracles, bien aimé. Mais ils entendent la voix. Bien-aimés, la Bible dit quoi? Et les mène dehors. Dehors quoi? Car l'église, c'est être hors. L'église, ça veut dire quoi? Hors du monde. En dehors du monde ou de la condamnation de beaucoup de choses. Bien-aimés, ils amènent terreur de toute malédiction. Maintenant, écoute le verset 11 au dessin. La Bible dit quoi? Nous commençons, on a dit quoi? Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous attendez. Mais les mercenaires qui n'est pas berger et qui les brebis n'appartiennent pas, voient venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et les loups s'en apparent et les dispersent. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine. On a dit qu'il ne se met pas en peine en souci de qui? Des brebis. Moi, je suis les bons bergers. Ils n'ont pas souci de vous parce qu'ils même ne vont pas rentrer au ciel. Mais la Bible dit, je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis. Vous attendez que je connais qui? Mes brebis. Bien-aimés. Mais maintenant, je vais vous faire quoi? Monter au verset 4 jusqu'au verset 5. Nous sommes toujours à Jean 10 pour comprendre. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, ça c'est les portiers, ce qu'on avait lu à partir du verset 3, il dit, et il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent quoi? Sa voix. Les brebis de Christ connaissent quoi? Sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Vous attendez? Une brebis de Dieu ne peut pas suivre un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Mais quand tu vois quelqu'un te facilement séduit, pose-toi des fois la question. Est-ce qu'il est de Dieu? Des gens qui vont dans les églises où on peut les purger. Et qui quittent même la bonne église. Les gens qui, ce sont des femmes, ce sont des personnes, ce sont des femmes hein, qui sont remplies de désirs vagues. Et ça, vous là, vous allez mourir, les sœurs. Il faut faire attention. La Bible dit quoi? Elle dit, parce que elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Vous comprenez cela? C'est que, bien aimé, ces gens viennent dénoncer pour convaincre les gens que non, venez chez nous suivre, bien aimé. Une véritable brebis de Dieu. Même si tu cites les noms des gens, elle ne te donnera jamais confiance. Elle donne confiance simplement quand elle entend la voix du Seigneur. Or, la voix du Seigneur, c'est l'évangile. Quelqu'un me dit amen. La voix du Seigneur, c'est les Écritures. Quelqu'un dit amen. La voix du Seigneur, c'est la révélation du pourquoi des Écritures. Chaque Écriture de la Bible cache Jésus. Bien aimé, demeurons en Jésus. Les vrais brebis de Dieu entendent la voix. Les temps que nous sommes, où le diable s'est infiltré parmi nous, qui veut bien aimé nous déstabiliser, faisons attention. La Bible dit que le lecteur fasse quoi? Attention. On disait quoi? Romains. Vous voulez Romains qu'on disait? Parce que je veux bientôt finir. Romains chapitre 1. Ces gens, ils jouent le rôle d'empêcher que la vérité soit annoncée. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Prêcher la bonne vérité. Ils viennent vous parler beaucoup de choses qu'ils ne font pas. La Bible dit demeurer en Christ. Parce qu'ils veulent vous retenir en captivité. On disait quoi? Je dis, on lit quoi, bien-aimé? Romains, n'est-ce pas? Voilà. Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Oui. La Bible dit, la colère de Dieu, je vous avais dit hier. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Contre toute impiété. Qui apporte l'impiété sur l'impie? Ce qui vient d'influencer. Contre toute impiété et toute injustice des hommes. L'injustice des hommes. Et qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. Ils cachent la vérité. Mais ils savent que ce qu'ils disent, ce n'est pas vrai. Mais ils pensent à leurs intérêts. Ils vous donnent des prophéties pour vous séduire. Et bien souvent, bien aimé, au point qu'il y a des prophéties communes, comme j'expliquais aujourd'hui à l'église, vous allez identifier d'autres. Toujours, ils commencent toujours. Ma soeur, Dieu me parle beaucoup pour toi. Dieu me dit que tu es quelqu'un de bien. Mais beaucoup de gens te combattent. Toujours que la personne en face de toi, quelqu'un de bien, les gens les combattent. Mais qui te dit c'est peut-être elle, la personne qui combat les autres? C'est parce que tu veux simplement séduire, bien-aimé. Et Dieu me montre, tu as beaucoup d'argent, mais les gens bloquent ta vie, bien-aimé. Arrêtons. Donnons des vraies prophéties qui sauvent. D'ailleurs, la vraie prophétie, c'est le témoignage de Jésus. J'aime la parole. J'aime la parole bien-aimée. Quelqu'un me dise alléluia. Alléluia, Bible. Retiens la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu les leur a quoi manifester. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, bien-aimés. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Comme Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce. Mais, ils se sont égarés dans des vains quoi? Raisonnements. Ils se sont égarés dans des vains raisonnements. Et j'ai dit, bien-aimés, je vais partir à la fin. Ça nous reste des chapitres peut-être à lire pour la fin. Bien-aimés, je conseille à nos sœurs, surtout vous, des premières victimes à cause des passions variées.
Bien-aimés, ne vous approchez pas de Dieu simplement parce que vous êtes rempli de désirs dans vos cœurs. Et à cause de ces désirs, bien-aimés, ça devient des portes. Je dis, le terrain le plus approprié pour établir la domination, c'est le mental. Et on ne peut pas s'introduire pour... Il faut trouver une brèche. C'est qu'un trou, une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, c'est peut-être des désirs que vous avez. Vous aimez trop le mariage, vous aimez trop ceci. Vous venez aux églises, je veux devenir tel. Vous enviez les gens. Et ces gens comprenant ces choses, vous donneront des garanties des choses qui n'aboutiront pas. Et à retour, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Bien-aimés, écoutez maintenant 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5 au verset 7. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 5 au verset 7. Notez parce que si à la lecture, les explications, parce que tout doit se vérifier. Écoute ce que la Bible dit. Ils garderont des formes extérieures de la piété. Qui sont ceux qui se sont infiltrés parmi nous? Vous entendez? Ils garderont des formes extérieures de piété. C'est ainsi que beaucoup de gens sont induits en erreur aujourd'hui. Quand ils te voient pasteur bien habillé, peut-être qu'on sort du mal. C'est un aventurier. Pourquoi il est habillé comme un musicien? Et quand ils voient un pasteur habillé, bizarrement, on comprend ça, lui. Ça, c'est vraiment un homme de Dieu. La Bible dit quoi? Ils garderont la forme extérieure quoi, de la piété. Vous comprenez? Pourquoi l'objectif c'est de séduire? Comme ils se sont glissés. Parce que s'ils viennent avec des formes qu'on peut les identifier directement, c'est faux. Ils ne pourront pas quoi? S'introduire au milieu de nous et nous préparer à nous tuer un par un. Comme a dit le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 5. Maintenant la Bible dit, ils garderont la forme extérieure quoi, de la piété. Vous verrez ces gens qui parlent doux. Mais ce sont des gens qui sont là pour aider le diable à faire asseoir son trône dans nos églises. Et ils nous manipulent au point, bien-aimé, ils nous ont isolés, éloignés des gens pour pouvoir bien nous exploiter. Ils ont mis des forteresses, des Corinthiens 10, 3 à 5. Voilà pourquoi nous qui avons des armes spirituelles, on a pour rôle de renverser de faux raisonnements. Comme dit Romain, ces gens se sont égarés dans des vains raisonnements. Mais nous, on vient renverser ces vrais raisonnements. C'est ça notre rôle. Par les enseignements, bien-aimés, entre dans la vérité pour sauver le monde. La Bible dit qu'ils garderont la forme extérieure de la piété. Mais, ils arrégneront la puissance. Quelle est cette puissance? C'est la force. La force qui transforme. Cette forme transformatrice. C'est ainsi que ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans l'enseignement et je dis à l'église, à 1 Samuel chapitre 10, verset combien? 6, qui dit que l'esprit de l'éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec et tu changeras à un autre homme. Quand l'esprit vient, ça change quelqu'un. Mais ça commence à changer. Quelle partie la plus importante? C'est le cœur. Or, le cœur, selon la Bible, bien-aimé, c'est quoi? C'est le cerveau. C'est quoi? Le mental. Maintenant, la Bible dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes. Quand tu vois l'apparence de quelqu'un, bien-aimé, deviens au niveau sainte plus que la sainteté elle-même. Méfie-toi de ces gens. Vous allez vivre à ce côté des gens-là toujours. Oh mon Dieu. Mon frère, Dieu me parle. Bien-aimé, tout excès, même en français, on dit sa nuit. Tout le temps, tu es avec lui. Bien-aimé, nous vivons dans un monde que Dieu nous a placé. Il sait qu'on doit l'adorer et le célébrer. Mais il nous a donné aussi le temps de nous occuper, de cultiver la terre. C'est que le temps de cultiver la terre, c'est le temps de nous focaliser à ce qu'on fait. Et pour se focaliser à ce qu'on fait, lui-même, il dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, partie du verset 1. Il dit qu'il y a sous le soleil, chaque chose quoi, a son temps. Mais tu verras ces gens par la séduction de temps en temps. Je sens que Dieu me parle, ma soeur. Quelques temps, oh mon Dieu, oh merci, tu me touches. Et vous qui êtes des faibles, et vous vous donnez, et ils vont maintenant vous diriger. Vous contrôlez spirituellement, établir les règnes dominateurs. Et les versets de Matthieu 23, Matthieu chapitre 23, verset 13, arrivent, ils empêchent même à ceux qui veulent aller au ciel, à ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, d'entrer, parce que tout ça. Quel est ce qu'ils font? Ils attaquent, et puis la Bible dit quoi? Et il en est parmi eux,
Parmi ces gens, on a dit parmi ces gens, pas tous, parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons et captivent certaines femmes. Le problème, ce n'est pas certaines femmes, mais qui sont ces femmes qu'elles captivent facilement? Ce n'est pas toutes les femmes, bien-aimées. Mais qui sont ces femmes? Mais les femmes chargées de péché et agitées par des pensions, quoi? Variées. C'est qui sont chargées de péché et agitées de passions. Toujours beaucoup de tu veux être comme l'autre, moi aussi je vais acheter, moi aussi je suis comme ça, moi aussi je veux les enfants, moi aussi je veux me marier. Et ces gens même, ils s'en foutent de votre spiritualité. Si vous craignez Dieu, vous venez, vous voulez quoi? Des enfants, vous voulez marier. Oh, tu vas avoir des enfants cette année. Sans pourtant savoir si cette femme c'est quoi, est mariée ou pas. Tu l'envoies quoi? À la débauche, de chercher les enfants de gauche à droite. Tout ça pourquoi, bien-aimé? Parce que le peuple de Dieu ne veut pas demeurer en Christ et que les paroles de Dieu se demeurent en eux. Il y a des fois où la Bible dit à Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Et bien-aimé, ça c'est la catégorie des gens remplis de passion. Bien-aimé, fais sortir des passions. Voilà quoi. Parce que nous qui sommes à Christ, nous n'avons pas fixé nos regards sur les choses terrestres, mais à fixer sur les choses quoi, célestes. Ne vis pas selon les réalités d'ici, tu seras trop passionné à beaucoup de choses, tu auras beaucoup de passion, bien-aimé. Mais vis selon le ciel et tu comprendras que la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, choisis ce que tu entends et que ce que tu entends, que ça vienne de la parole du Christ. Parce que ce que tu entends de la parole du Christ, c'est ce qui va augmenter ton foi. Mais si tu attends plus les démons dans ta tête, dans le mental des gens aujourd'hui, bien-aimé, quand il y a un problème, il faut beaucoup prier, hein? Il faut descendre en profondeur, hein? Ça peut être peut-être le lien et tout ça. Vous voyez, on ne voit plus Christ, on ne voit plus que Christ peut autoriser, on ne voit plus que je vais faire l'erreur, Christ peut me punir, on ne voit pas aussi que Dieu châtie bien celui qui l'aime, on ne voit plus ces histoires, parce que chacun agit selon ce qu'il reçoit. Il parlera, chacun parle la langue et qu'il a apprise depuis sa naissance ou dans le pays dans lequel il vit aussi. Là où tu demeures plus, c'est la langue là que tu vas apprendre. Bien aimé, là un enfant qui est né en France parlera plus français parce qu'il est né en France. Celui qui est né au Congo, même si on l'amène pas à l'école, il parlera lingala parce qu'il est né dans un territoire qu'on parle lingala. Celui qui est né dans une église qu'on parle que des démons, bien aimé, que tu veux ou pas, dans ses réactions, vous entendrez, il va toujours parler, juger les choses par les démons. Et celui qui vit là où on demeure en Christ et les paroles de Jésus demeurent en Dieu, en lui, celui-là parlera plus aussi de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous parlons plus de Yoshua. Et celui qui est le maître, le centre de toutes choses, la personne qui marche au milieu de quoi? De sept chandeliers d'or. C'est lui, l'homme du milieu, l'homme de tous les centres. C'est le centre de gravité de tout ce qu'on peut faire. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du présent. Bien aimé, et nous sommes heureux de l'élever. Et la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera? Et nous savons que, bien aimé, si nous demeurons à lui, tout ce qu'on lui demande, il nous donne. Et les démons ne peuvent rien contre nous. On n'a pas besoin, bien aimé, d'étudier jusqu'à quand c'est ces démons-là. On le connaît, mais on doit les déstabiliser. D'autres noms. Bien aimé, celui qui m'amènera. Beaucoup de noms que les magiciens-là vous donnent. Là. Les ex. Faites le bilan, bien aimé. La plupart de ces gens qui ont témoigné dans les réseaux sociaux, qui étaient ex-magiciens, anciens sorciers, sur 100%. 90%, 99% devient des pasteurs. Pourquoi? Est-ce que nécessairement, après un témoignage de la magie et de la sorcellerie, tu dois être pasteur? Ça vous voit. Comprenez, ils se sont glissés. Nenny vous a dit, ils ont dit que personne ne sauront. Parce qu'ils pensent qu'ils vous font croire qu'ils ont dénoncé. Pas tous. Il y en a certains qui se sont repentis aussi. Vrai. Vous allez les conduire à ces gens-là. Ils voient plus Christ que de parler plus de leur histoire. Mais tout celui qui parle de Christ n'est pas nécessairement de Christ aussi. N'oublions pas. La Bible dit, ces peuples au nom de leurs lèvres, du fond de leur cœur, ils sont loin. Bien aimé, le lieu où l'homme change, c'est le cœur. Pourquoi ces gens évitent de parler du cœur? Parce qu'ils savent que dans le cœur, ils ont un autre maître. Dans la bouche, ils disent Jésus. C'est ça les occultes. Voilà pourquoi Jésus pose des questions. Comment il est magicien, mais il parle de Jésus à l'église? C'est normal. Il parle à la bouche, mais pas dans le cœur. On s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions commencé en retard, mais nous prions que demain, on sera à l'air. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. J'ai tout fait. J'avais même voulu annuler à cause de l'état, mais Dieu nous a convaincus d'être avec vous. Bien-aimé, que la lumière vous éclaire. Ceux qui veulent m'écrire, écrivez-moi. Vous voulez les questions? Vous voulez encore les explications approfondies? Bon, ne soyez pas pressés parce qu'on n'a pas fini les enseignements. Peut-être des questions que tu chercheras à me poser.
tu vas l'écouter, tu vas les écouter quand on va faire la suite, c'est que ne sois pas pressé. Quand cela d'autre chose, je suis à vous. N'oubliez pas, à minuit, vous aurez la servante de Dieu, pasteur Lydine Koumou, à l'émission Au milieu de la nuit. En plus, bien-aimé, vous donnera toutes nos adresses de l'église de Paris-Boussy, l'église de Paris-Rony, là où je suis, et l'église d'Orléans. Et que le Seigneur vous bénisse. À demain. Avec moi. Bye.